Salut, moi c'est Frédéric, je suis en volontariat franco-allemand à la Maison internationale de Rennes et aujourd'hui je vais vous présenter les projets qui se montent à l'avenir. Si tu es jeune et que tu as envie de t'engager dans des actions de solidarité internationale, reste avec nous pour en savoir plus. Lydie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'AMIR ? L'AMIR est un lieu ouvert au grand public qui accueille divers événements comme des projections, des concerts et aussi des expositions. Et c'est surtout en fait un lieu qui accompagne des assos de solidarité internationale basés à Rennes. Et alors, comment vous pouvez y participer ? Cette année, il se crée un groupe de jeunes qui a envie de s'engager dans les projets de l'AMIR. Barbara, chargée de coordination et d'animation, va nous donner un exemple. Barbara, dans quel projet je peux m'engager en tant que jeune ? Eh bien écoute, si tu t'intéresses à des choses comme le réchauffement climatique, comme la lutte contre les discriminations ou encore les inégalités, et que tu aimes transmettre un petit peu tes valeurs, eh bien tu peux venir à l'AMIR pour te former à des méthodes d'éducation populaire, pour ensuite pouvoir animer des temps de sensibilisation auprès d'enfants. Mais si au lieu de transmettre, j'ai envie d'échanger sur mes valeurs, tu aurais une idée, Hilaire ? Bien sûr, tu pourrais participer par exemple à l'Université internationale populaire qui organise des débats sur des sujets d'actualité. Ces échanges peuvent ensuite donner naissance à des projets comme l'Initiative citoyenne européenne qui demande des conditions d'accueil dignes pour les migrants. Mais ce n'est pas tout ce qu'on vous propose. Laure, qui est en stage à l'AMIR, a un autre projet à vous présenter. Et tu pourrais aussi rencontrer des porteurs de projets qui organisent des échanges internationaux et devenir jury pour leur attribuer ou non des financements. Comment ça, des échanges internationaux ? Alors en fait, ça peut être des professeurs qui organisent des échanges scolaires ou des voyages scolaires et autrement des associations qui font la même chose. Et si le groupe en a envie, il lui est même possible de créer ses propres projets. D'ailleurs, une idée qui me vient à l'esprit, si toi t'as un événement de solidarité internationale, genre une conférence, une exposition, un colloque, bah tu pourrais y participer en tant qu'ambassadeur de l'AMIR. Libre à toi et au groupe d'imaginer la suite. Toutes ces actions sont nourries par une réflexion sur l'engagement des jeunes via une recherche-action que nous, coopératives et associations de jeunes, conduisons avec l'AMIR et la Maison de quartier de Villejean.